Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio. Aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1 641 552 5130. En France et en Europe, 33 7 56 75 36 89. Au Brésil et en Amérique latine, 55 14 30 42 18 03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org, à l'heure des sports, amis sportifs, tout partout. Bonjour, bonsoir, nous très contents avec vous, notre fois encore, pour présentation Alter Sport, c'est le journal des sports, nous qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin, et puis midi et demi. Petite actualité sportive, la Super Nationale, sport et formation, Fédération Haïtienne Football organisée, premier cohorte, agent sauvegarde à protection des mineurs dans le milieu sportif africain qui se passait. Hein. Gold Cup féminine des États-Unis 2024, sorti 17 février, arrivé 10 mars. Le Canada rejoint les États-Unis comme pays déjà qualifié. Deux pays sérieux pour représenter les autres Coca-Cola dans le tournoi football Jeux Olympiques Paris 2024. La Jamaïque, les rejoindre Panama avec Guatemala, l'Angoupe B, l'éliminatoire. À l'étranger, tennis, tournoi de Tokyo, Iga Swiatek qualifié pour quart de finale. Basketball NBA, dossier transfert Damien Lillard, Toronto désormais mieux placé après Miami, Milwaukee et Boston. Football, le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, édition 2023, on a rappelé, va le dérouler Côte d'Ivoire, sorti 13 janvier, privé 11 février 2024. Championnat d'Italie, 6e journée, victoire du Milan C, à Cagliari 3-1, Inter battu à domicile, par Sassuolo 1-2, mérité leader. Championnat d'Espagne, 7e journée, Girona, nouveau leader, le Real Madrid 2e, le FC Barcelone désormais 3e, après victoire Merengueyo à Girona. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswè, li pase tou a 10h30 aswè, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel sou tout sport sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportif, là d'abord Super National, la Fédération Haïtienne Football, qui organise le week-end, qui souhaite passer en formation pour première cohorte d'agents de sauvegarde et de protection des mineurs dans le milieu sportif. Ça a déroulé dans l'immeuble Expression Galerie d'Art, situé à Pétionville. 15 récipiendaires, représentant plusieurs académies de la zone métropolitaine, te répondent à l'appel de la Fédération le 21 et 22 septembre dernier.
formation ça en adéquation avec la volonté et l'engagement du comité de normalisation de la fédération relatif aux engagements de la FIFA de créer un environnement sain et propice à l'évolution des jeunes athlètes. Séminaire ça les réaliser dans le cadre d'un partenariat tripartite FIFA FHF Terre des Hommes, conformément à la vision de la Fédération haïtienne de football en la matière, reposant sur quatre grands axes qui c'est formation, mise en place des structures et procédures, suivi et évaluation, vulgarisation et communication. Ainsi, dans le cadre de mise en place vision ça, il y a un ensemble de travail qui est déjà réalisé par la Fédération, tel que élaboration et adoption d'un code de bonne conduite, formulaire d'autres déclarations, guide de recrutement sur élaboration et mise en place d'une procédure de signalement adaptée. D'autres sont en cours, comme l'adoption de documents établissant l'orientation de notre politique de sauvegarde, la mise sur pied d'un comité de sauvegarde, la réalisation de plusieurs autres séances de formation pour les représentants d'autres académies et clubs de football. Par ailleurs, Fédération a prévu pour réaliser et toute action s'arrête d'ici la fin du mois de novembre 2023. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Point l'actualité sportive là sur plan national après qu'il ait remporté le match aller 2-0 vendredi dernier à Kingston, Canada, les gagnent mardi soir le match retour de 1 contre la Jamaïque au BMO Field de Toronto. Deux rencontres SAO permettent pour déterminer qui équipe parlant d'équipe SAO qui gagne chance pour qualifier directement pour la première édition de la Gold Cup féminine États-Unis 2024 et qui est-ce qui va représenter la CONCACAF aux Jeux Olympiques Paris 2024. Les Canadiennes auront donc la chance de défendre leur médaille d'or obtenue en 2021 à Toronto. Après une élimination décevante en phase de groupe à la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023, le Canada a rapidement fait taire les doutes après deux belles performances à Kingston 2-0 vendredi, puis 2-1 à Toronto mardi soir. Avec un écart de deux buts marqué à l'étranger à combler, la mission était difficile pour les Jamaïcaines. Et pourtant, ce sont elles qui étaient l'ouvrisseur là à la 33e minute suite à une superbe frappe sur coup franc dans l'axe de la légendaire Drew Spence. Mais les Canadiens ont été vite rétablis l'équilibre 6 minutes après par Chloé Lacasse de la tête consécutive à un corner. Jordine Wetema ensuite néanti ce qu'il restait des espoirs jamaïcains quelques minutes après son entrée en jeu à la 50e minute. Score final 2-1 en faveur des Canadiennes. Avec résultat ça, les médailles d'or en titre auront la chance de défendre le titre olympique à Paris en 2024 et de se qualifier pour la première édition de la Gold Cup féminine qui va fête également l'année prochaine du 17 février au 10 mars aux États-Unis. Bon côté parler, la Jamaïque intégrée du coup le groupe B des éliminatoires de la Gold Cup qui gagnait le Panama et le Guatemala. Dans ce groupe B, lors de la première journée, Panama a été battu le Guatemala 3-0 en déplacement mercredi dernier au stade Benzativo, mais au retour dimanche soir, Guatemala Tecchio qui était pris en revanche, a été battu Panaméenio 3-2 au stade Universitat Latina à Panama. Donc nous signalons dans le groupe CA la victoire du Costa Rica 11-0 lundi soir aux dépens de Saint-Kitts et Nevis. Costa Rica comptait 3 points sur 6, Haïti comptait 3 points également, mais pour un match joué, Grenadier a eu rendez-vous avec la formation de Saint-Kitts et Nevis le 26 et 30 octobre prochain en match aller et retour avant que vous rencontrez le Costa Rica le 30 novembre en match retour. Enfin, le groupe A est dominé par le Mexique qui comptait 6 points sur 6 après deux victoires 2-1 contre Puerto Rico vendredi soir et 6-0 face à Trinidad Tobago mardi soir. Une petite pause pour nous retourner, nous aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, à pas me tendre ces choléra qui touille Pierrot, de quoi me tendre maladie ça a été passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra t'est fini disparaître pendant un bon bout de temps, il retourner à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra docteur Georges? Ça facile.
De pour servir à glo traité pour boire et puis manger, laver mais en à glo avec savon, si tout les saute dans toilette avant ou manger, choléra pas besoin de route pour entrer sur la barre bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout konn bagay sa yo déjà. Konnen se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green fois compte pour choléra rentrer sur. Konnen se youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout temps. Songez, choléra reparaît, c'est nous tout qui pou barrer. C'était yon message MSPP ak partenaire li yo. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Li tou nen oui ki bo ou mandem même bo wa tout près ou là bo la ria mandel ma 32 oui nous relouvri Delimat Delma 32 relouvri en pimpant pi gwo pi belle ak plus rayon plus produit plus service Delimat d'après merci ou confiance ou place nan li. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo, pas de katan pour vi noue nouveau Delimat yo wa. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content ouais moun nou yo. Ça fait presque 5 ans, oui, depuis yo te séparé nous brit soukou. C'est certain, gen un pile bagay qui change nan nou, nan vi nou. Mais gen un seul engagement qui rete intact. C'est respect nous gagnons youn pou lot ak lan moun nou pour payer nous. Seul petit pays noir. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. Saint-Jean soleil. C'est pas jouer, nous pas jouer non. C'est gagner nous pas gagner grâce à plan soleil Digicel là. Composez étoile 617 ou soit aller sur application My Digicel là, activez plan soleil pour 5 gouttes seulement et puis jouez chance gagner 100,000 gouttes Digicel à paye là. Si vous jouez chance pas, comme restez bien relax parce que c'est 100 clients qui peuvent jouer une possibilité de gagner une belle promotion ça qui pourra le dire 100 jours et chaque jour avec un client qui pourra sortir à 100,000 gouttes capte domé directement sous compte mon cash li qui donc 100,000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours yon petit plan bien facile pour activer et bien chanson dans l'amour grâce à Digicel. Digicel n'a toujours pas au plus. Année l'école 2023-2024 là a commencé lundi 11 septembre 2023. D'après calendrier ministère éducation nationale, Jean ça toujours fait, gen plusieurs mesures ministère a déjà prend ak support gouvernement pour accompagner maman ak papa petit dans occasion rentrer l'école là tant coup bay livre gratis dans l'école yo, subvention pour aider parents yo, kit scolaire, uniforme ak cantine scolaire et latrier. Toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte pour accueillir élèves lundi 11 septembre 2023. Directeur l'école doit prendre bon gens disposition dans tête collée avec enseignants pour respecter date 11 septembre 2023. En respecter calendrier scolaire 2023-2024 là qui prévoit 191 jours l'école, 955 aides-temps enseignement pour l'école fondamentale, 1146 aides-temps enseignement pour l'école secondaire, ça qui a permettre élèves ak enseignants yo travail pi bien sous tout programme classe yo. Maman ak papa petit, parents qui responsable timoun yo, on prepare depuis kounye ya pour voyer timoun yo l'école depuis premier jour l'école là a ouvri qui c'est lundi 11 septembre 2023 pour timoun yo capable prendre bon jan éducation sans manquer yon jour l'école parce que éducation c'est pi gros outil pour développement timoun yo ak développement pays ya. L'école pa katann. Centre de communication appliquée, Sénacom.
Chachou mon l'école de communication. Améliorer langage ou c'est une obligation. Porte nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bon nouvelle session vin choisir. Journalisme, multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, oh, oratoire, journaliste sportif. C'est d'accord. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphique design, yeah. Dans Sénacom, nous avons une spéciale auto-école, non seulement yon mou akavine chauffe. Et puis, il va te chauffer tête chat, non? Sénacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CPEL, local du centre pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Yobo, t'es quoi dit si dame ça que j'aime vivre ici dans un seul bon? Comment le faire en forme comme ça, mine? En tout cas, bro, elle est en forme, frère. Bah, privé, non, papa. Pour qu'on soit pas capon. Cher. Bon, qu'est-ce que ça vous dit là? Ou pas informé? On moun ki gen virus sida, c'est tant qu'on est porte maladie chronique oui, tant qu'ou maladie cœur, sik, tension et puis tout. Depuis moun nan pied prend médicament, l'a mené vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Crété Régine, comment fait compte toute bagaille ça yo? Maman docteur oui, crété. Ou gen oublié. Et puis moun informé en pile sou sujet a. Yon moun ki gen jem sida, ki toujou bien pren medikaman ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yon lot moun sida nan fè sex. Se te kou viris la te disparèt nan san. Oh, disparèt nan san menm, sa vle di, li pa genyen lanko? Li toujou genyen. Men, grâce ak medikaman ARV yo, kantite viris ki nan san levin telman piti, test ak examen laboratoire pa menm rive detekte l. Men, faut que li toujours prend médicament ARV chaque jour et puis allo faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon nan gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire en pile discrimination vraiment. Informé dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos. Et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là beaucoup nia sur plan international football en Espagne Real Madrid li bat l'Espagne 2-0 au Stade Santiago Bernabéu lors de la 7e journée de Liga mercredi profitant du faux pas du FC Barcelone la veille 2-2 à Mallorca pour lui prendre deuxième place là un point derrière Girona nouveau leader du championnat après sa victoire de 1 à Villarreal. Tout résultat 7e journée du championnat d'Espagne là gain mardi FC Séville te corrige Almeria 5-1 Mallorca FC Barcelone 2 goals partout. Le mercredi 27 septembre là, gagné Atlético Bilbao avec Getafe qui fait 2-2. Real Madrid bat Las Palmas 2-0. Gagné Girona qui a battu Villarreal 2 goals à 1 ce jeudi. Universal Celta Vigo à la veste. Granada Real Betis 3h30 Osasuna Atlético Madrid. Et c'est Girona qui entre avec 19 points. Deuxième Real Madrid 18 points, troisième FC Barcelone 17 points. Atlético Bilbao 14 points, nous venons Atlético Madrid avec 10 points. En Italie, 6e journée a démarré mardi avec une victoire de la Juventus 1-0 dépend de Lecce. Jeudi mercredi, il y a Milan AC en déplacement qui bat Cagliari 3-1. Empoli bat Salernitana 1-0. Atalanta en déplacement bat Verona 1-0. Il y a Naples qui corrige Udinese 4-1. Sassuolo en déplacement bat Inter Milan 2-1. Et puis Lazio bat Torino 2-0 ce jeudi midi et demi Frosinone face à Fiorentina en même temps Monza avec Bologne et puis à 2h45 Genoa Roma et c'est Inter qui toujours en tête avec 15 points deuxième Milan c'est 15 points troisième Juventus 13 points quatrième Atalanta 12 points et cinquième c'est Naples avec 11 points et puis l'Italien Gennaro Gattuso lui va succéder là à Marcelinho qui a démissionné la semaine dernière à Marseille. Le technicien italien de 45 ans est arrivé sur la Canebière ce mercredi. Ancien milieu international italien, notamment passé par Milan en 1999-2012, libre à l'engager jusqu'en juin 2024, plus une autre année en option.
En Afrique, le Maroc est désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 après le retrait de ses concurrents, dont l'Algérie. C'est ça que le président de la Confédération africaine de football, là, Patrice Motsepe, a annoncé. L'édition 2027 se tiendra, quant à elle, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. En guise de rappel, il faut dire que pour les fins des éliminatoires de la CAN 2023, les chapeaux pour le retirer au sort du 12 octobre prochain à Abidjan, yo konnen yo. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, li un chapeau 1-1 en compagnie du vainqueur et sortant le Sénégal, l'Égypte, Tunisie, Maroc avec l'Algérie, chapeau 2, Nigeria, Mali, Ghana, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud, chapeau 3, République démocratique du Congo, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale avec Mauritanie, ou 4, Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Mozambique, Gambie, la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2024, c'est du 13 janvier au 11 février. Dernière ligne droite, Journal d'Espoir, amis auditeurs de tennis, pour première apparition depuis défaite en 8e de finale de l'US Open contre Yelena Ostapenko. Et donc, depuis la perte de la première place mondiale au profit de la Biélorusse, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, désormais deuxième mondial, ils franchissent le deuxième tour du tournoi de Tokyo mercredi. Ils battent la japonaise Mai Ontama en deux manches, 6-7, 7-5 en quart de finale. Ils vont l'opposer à la Russe Veronika Kudermetova, 19e mondial. Toujours en tennis, numéro 2 mondial, l'académie sur l'Espagnol Carlos Alcaraz. Il montre les mercredis enthousiastes avant l'Open de Chine. Nouvel épisode de la magnifique bataille qu'il délivrait à Novak Djokovic pour la place de numéro 1 mondial. Alcaraz a battu Djokovic lors d'une finale mémorable à Wimbledon en juillet et pour un cas de bon résultat à Pékin, réduit l'écart sur le Serbe absent en Chine et qui te reprend la tête du classement ATP après victoire liée à l'US Open en septembre. En dehors de l'absence notable du numéro 1 mondial à Pékin, du 28 septembre au 4 octobre, le tournoi va accueillir de nombreuses têtes d'affiche. Daniil Medvedev, numéro 3 mondial, et finaliste à Flushing Meadows, aura un premier tour capable de difficile face à l'Américain Tommy Paul. Le premier tour verra également s'affronter le Danois et numéro 4 mondial Holger Rune et le Canadien Félix Auger Aliassime. Parmi l'autre prétendant figuré, le grec Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial, le russe Andrei Rublev, numéro 6, et l'italien Jannik Sinner, numéro 7 mondial. Le tennis international est de retour en Chine cette année après que Pékin te mettait un terme à politique isolationniste zéro Covid qui a duré des années. Enfin, basketball NBA, 5 ans après le retentissant transfert de Kawhi Leonard, Raptors de Toronto, il est désormais le mieux placé dans la ligue pour convaincre la direction des Blazers de transférer Damian Lillard. Il était donc qu'à définir quelle offre pourrait convaincre Portland après les Heat de Miami. On a noté enfin que les Bucks de Milwaukee et les Celtics de Boston, ils ont là sur Lillard et les deux candidats au titre ont les atouts pour convaincre la superstar des Blazers de les rejoindre, mais aussi et surtout de faire céder Portland. Alter Sport, toute nouvelle sous toute sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui domine la qualité sportive là sur le national sport et formation Fédération Haïtienne de Football organisé premier cohorte agent sauvegarde à protection des mineurs dans le milieu sportif africain qui se passait. Hein. World Cup féminine États-Unis 2024, sorti 17 février pour 10 mars. Le Canada rejoint les États-Unis comme pays déjà qualifié. Deux pays s'arrêtent pour aller représenter les autres pour la Carafra. Dans le tournoi à football, Jeux Olympiques Paris 2024. Et puis à l'étranger, tennis, le tournoi de Tokyo, Iga Swiatek qualifié pour quart de finale. Basketball NBA, dossier de transfert d'Amen Lina, Toronto désormais, mieux placé après Miami, Milwaukee, Boston. Football, le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, édition 2023. Balle de roulée Côte d'Ivoire, sorti 13 janvier, privé 11 février 2024. Championnat d'Italie, 6e journée, victoire du Milan à Cagliari 3-1, Inter battu à domicile par Sassuolo 1-2, mérité leader. Championnat d'Espagne, 6e journée, Girona, nouveau leader. Alors Real Madrid, 2e, Grèce Barcelone, désormais 3e, après victoire à Mengueo à Girona. Al d'espoir, arrivé dans votre les amis auditeurs, merci à vous pour l'attention.
Merci à collaborateur nous Jules Sandewa qui était dans la réalisation hein. Le micro c'était Smith Griffon bon sur deux programmes sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition journal ça la venir en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur TuneIn, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais nous a fait radio. Écoutez Espace Femme Magazine sous Alter Radio. Espace Femme Magazine, c'est un rendez-vous information sur tout sujet qui concerne les femmes. Li soti jeudi à 7h du matin, li repasse samedi à 10h après-midi. Espace Femme Magazine sous Alter Radio, captez-nous sous 106.1 FM, sous diverses plateformes internet et sous site nous alterradio.org.
Alter Radio, li fè, inè. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio. Aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Li tou nen wè? Ki bo ou mandem? Mem bo wa, tou pre ou la, bo la ri ya. Nan Delma 32 ya. Delimat! Oui, nou relouvri! Delimat! Delimat Delma 32 relouvri, an pimpan, pi gwo, pi bel, ak plis reyon, plis prodwi, plis servis. Delimat apre mersi ou, pou konfians ou plase nan li. Ah, kant a sa! E se pou sa, pil ban ak paket kliyen Delma nou yo, pat ka tan pou vi nou e nouvo Delimat yo wa. E nou menm, hey, ou kwa se kontan, nou kontan wè moun nou yo? Sa fe preske 5 an, oui, depi yo te separe nou Brit Soukou. Se seten, gen pil bagay ki chanje nan nou, nan vi nou, men gen yon sel angajman ki rete intak. Se respè nou genyen yon pou lot ak lan moun nou pou peyi nou. Sel ti peyi nou. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Un juge new-yorkais a déclaré mardi 26 septembre Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Eric Trump, responsables de fraudes financières répétées dans les années 2010 dans l'évaluation des actifs de la Trump Organization. Avant même l'ouverture lundi du procès civil dans cette affaire. Dans ce dossier, la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, qui avait porté plainte, réclame notamment 250 millions de dollars de réparation financière. Dans sa décision, le juge Arthur Engoron estime que Donald Trump, qui rêve de reconquérir la Maison Blanche en 2024, et ses deux enfants, vice-président exécutif de la Trump Organization, sont responsables de violations répétées de la loi. Il ajoute que les documents soumis par la procureure générale montrent clairement des évaluations frauduleuses de la part de Donald Trump pour des actifs du groupe, une myriade de sociétés qui s'étendent de l'immobilier résidentiel aux hôtels de luxe en passant par des clubs de golf. Les États-Unis ont annoncé mardi 26 septembre au soir suspendre une partie de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État fin août dans ce pays. Le gouvernement américain suspend une partie de son aide étrangère au Gabon le temps d'évaluer l'intervention anticonstitutionnelle par des membres de l'armée du pays, indique le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken dans un communiqué. Il n'a pas été précisé le montant de l'aide ainsi suspendue ni les programmes directement visés, mais cette décision ne concerne pas les opérations consulaires ou de l'ambassade des États-Unis. Ce faisant, les États-Unis se conforment à des mesures prises par des organisations régionales et d'autres pays, et cela continuera le temps d'examiner les faits sur le terrain au Gabon.